Et puis salut tout le monde, c'est Speedy, on se retrouve sur Pokémon Legends la dernière fois, il fallait aller à la route 6, alors pour ça plus tard, on va y aller. On va y aller, alors bon, c'est par en haut. Ok, voilà. Oui, Pokémon ici. De l'eau fraîche, ok, c'est bien, c'est bien. Ça pourra nous être utile après. On va juste accélérer un peu. Oh. Il y a du gazon. Super repousse activé. J'aurais aimé qu'on peut genre les enregistrer, mais non. Malheureusement, on peut pas. Ok, absolument rien de ce côté-là. Oh, un combat. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis d'humeur formidable aujourd'hui. J'ai envie de crier. Mais je vais me concentrer d'un combat. Je suis sûr que je vais gagner avec une telle énergie. Alors, un Watu. Un Watu. Je ne vais même pas toucher. Mais éboulement se fera quand même l'affaire. Et voilà, un seul coup. 306, bon c'est niveau 32. Un rond doudou. Bon, ok. Et je rate mon attaque, ok. Ah t'es pas sérieux, elle m'a paralysé comme ça là. Ok. Sympa. Con qui rate encore. Pourquoi ça rate? Une fois, deux fois. Merde, c'est quoi le... Voilà, enfin, ça a touché. Merde, je trouve ça bizarre que ça ne touche pas. Ah, c'est quand même mal de dégâts. Coup critique, ok. Oh, ok, c'est un... Ah, ok, moi je pensais que c'était... Moi je pensais que c'est une attaque normale, même pas, c'est un coup. Eh, mon énergie dépendante n'a pas suffi. Bah oui. Moi je pensais que c'était... Mais tu as vraiment l'air molassant. Comment as-tu pu faire pour me battre sans créer? Bon, je me suis bien défoulé en tout cas, je me suis suivi dès maintenant. Ah ok, moi je pensais que c'était une attaque normale, même pas. Bon, on va utiliser les potions, pourquoi pas, voilà. Donc une potion... Et une dernière potion. Faut que j'aille voir son attaque parce que je comprenais pas c'était quoi, genre... C'est-tu un coup, un hit en coup? Non, ça c'est mon Elekid. Et en palais, ok, ouais, c'est ça, ok, c'est 30%, ok, ouais, je me suis dit aussi, je trouvais ça bizarre, mais ok, non, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Absolument rien de ce côté ici, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Oh, une Pokéball! Une antidote, bon, ça n'a pas l'air grand... Ça n'a pas l'air si waouh. Je suis venu faire une randonnée dans le coin, mais il n'y a pas grand-chose à voir. En plus, l'endroit est plutôt pollué et on trouve surtout des Pokémon poison. Quelle horreur! Allez, en faisant un combat comme ça, je ne me sentais plus pourri. C'est cool. Orchidée. Niveau 30, waouh. Bon, je vais pas faire en palcon parce que ça va peut-être un peu me défoncer. Alors, on va faire éboulement. Les gars s'en sous. Ça a l'air de faire un peu, même pas. Ça peut pas faire mal. Eh, moi, c'est bien, la moitié. Ah non, pas la para. Et voilà. Mikao. La porelle. Non. Antipara. Pied sauté. Ok, damn. Éboulement. Et voilà, un seul coup. Et Molga. Ok, augmente la défense spéciale, mais moi, éboulement, c'est attaque physique. Et de toute façon, c'est multiplié par deux. Non, je pense que c'est par cap, c'est électrique, puis c'est vol en même temps. Je sais pas. Vous avez battu. Ce n'est pas juste. Bah, je sais que c'est très juste. Je n'aime vraiment pas cet endroit, les gens font trop fort ici. C'est ma deuxième défaite aujourd'hui, ton professeur m'a ramené encore plus rapidement que toi. Tout à l'heure, tu devrais aller à sa rencontre. Allez à sa rencontre, c'est ça. Tu comprendrais ce qu'est ma défaite, ok, je m'en fous. Je le mets à ce côté-là. Oh, une Pokéball. Une super potion, ok, cool. Ah, ok. On peut pas encore le faire. Oh, c'est quoi ça?
Salutations, noble voyageur. Permets-moi de me présenter. Je suis un top dresseur, c'est-à-dire que je fais partie de l'élite. La crème de la crème. Je suis d'un talent insurpassable. Pour le combat Pokémon, j'ai imposé le respect sur la route. Si personne n'est parvenu à me vaincre ici. Cela t'impressionne, je parie. Mon compagnon est tout simplement impressionnant. C'est un Pokémon extraordinaire, tout comme moi. Ce magnifique spécimen n'est drôle qu'un Topirus. Un Pokémon extrêmement rare qui vient d'une île du sud au sud de la région. Lui et moi avons mené d'innombrables combats. Et jamais nous avons échoué, nous sommes une référence en matière. Si tu as besoin des tuyaux sur les combats Pokémon, mon talent est à ta disposition. Bien sûr, ma virtuosité est innée, et tout ne s'apprend pas, mais la stratégie est tout de même très importante pour remporter un combat Pokémon. Tu peux m'appeler maître, si tu le désires, je comprendais tout à fait. Je n'aime pas beaucoup les beaux parleurs dans ton genre. Et si tu montrais ce que tu sais faire au lieu de tenter de m'impressionner? Ton insolence frotte l'infront, je me sens extrêmement froissé. N'as-tu donc aucun savoir-vivre? C'est presque une insulte que je pourrais faire à mon encontre. Beau parleur, diantre! Je n'aime pas beaucoup ces manières, tu es pitoyable et simplement jaloux. Je n'ai pas raison mon cher Topirus. Trop. Je te réveille, mes 4 autres Pokémon sont aussi très puissants, tu n'as aucune chance. Tu ferais mieux de renoncer maintenant et je me présenterai des excuses. Je vais toujours au bout de ce que je m'entreprends, en garde. Tu l'auras voulu, tes Pokémon vont t'en vouloir plus longtemps. Hein. On verra ça mec. Dès que je vais sortir un Pokémon 50, là je serai baisé. Un niveau 30. Là, je suis en mauvais combat, là, je suis en mauvaise position. Combat. Balayette, je savais. Broche qui rate. Et voilà. Même pas le temps de faire une seule attaque. En fait, il l'a raté, mais bon. Faramp. Si je me trompe pas, c'est... Non, ok, bah c'est lui, c'est ça. Éboulement. Ah, coup critique, c'est bien. Point de feu. Ouh, ça va faire mal ça. Et je le tiens pas, bon. Ce n'est pas si grave. Malheureusement, pour toi, ça va être fini. Oh non! Il m'a vu qu'une potion max. En fait, j'ai fait fourchage, je pense. Ça part mal. Ok. Bon. Voilà, paralysie. J'ai pas envie de la toucher. Claire, bon, casse-brique. Point de feu. Je crois qu'il va être paralysé. Encore point de feu. Non, je le tiens pas. Ah, coup critique, c'est dégueulasse. Ah! Mais t'es sérieux? Non, mais lui il passe, moi ça passe pas. Genre moi je peux paralyser, mais lui. Non, mais t'es... Oh, mais lol quoi! Mec, il me sent vraiment ça là. Et bien sûr, je suis paralysé. Ça part mal pour moi là. What? Une béjouaque? Non mais t'es sérieux? Non mais... Oh, t'es pas sérieux! Mais comment tu rates deux fois d'affilée?
Non, nice. Bélier. Et je le tiens pas, et il tient pas non plus. Non, lui il tient. Non, mais lol. Mais le mec utilise quoi, 50 000 potions? Oh mais t'es pas sérieux! Mais le mec est pas sérieux! Bon ok. Genre le mec a toutes les attaques quoi aujourd'hui. Tiens dégage! Le mec a point de feu, point d'éclair. Non, se fout pas de ma gueule là, toi Prius. Voilà, on va le paralyser. Mais c'est drôle que j'ai même pas été paralysé une seule fois quoi. Hein? Ok, j'ai pas compris ça, mais bon. Une sorte cadabra, ok. Bon, c'est bien, je vais faire te mâchouille. Tiens, amuse-toi. Et bien sûr, je passe par avant lui. Oh, un point de vie. Le un point de vie qui passe. Et tout what? Et quoi? Et tout Raptor. Ah lui, ok. Et ok, il va me faire un piquet, je vais pas passer, mais bon. Bon, allez, hop. Aïe. Ça va faire mal, ça va faire mal, tiens-le, 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 tiens-le pas. Bon, ok, ça le tient pas. Non, non, je perdrai pas. Il fait close combat, t'es sérieux, mec? Et il m'a refait un close combat encore. Point éclair. Non mais sérieux là, il me rattrape. Non mais vas-y là t'es fini, là je te fais un coup. Là t'es fini, au revoir. No chance. Ah, c'est pas possible qu'il tient là. Il y a un mec qui a fait 3 fois close combat, eh. Fous-toi pas de ma gueule aussi. Bon le mec est paralysé, j'ai quand même un avantage. Je vais pas prendre de chance. On va sortir un sécateur parce que quand même... Plaquage. Oh ça a tenu. Oh ça a tenu ça. Plaquage encore. Donc ça je le tiens pas. Un sécateur. On va avoir l'avantage sur lui là. Voilà. Le mec il m'a pas paralysé. Je l'ai même pas vu une fois paralysé quoi. Et voilà. Damnation, c'est tout de moment impossible, mais d'où sors-tu? Genre le mec? Genre je l'ai même pas vu une fois. Voilà, dis rien. Je n'en reviens pas, tu as réussi à résister à mes assauts, à percer ma défense et à mettre au tapis toute mon équipe. Je me ferai donc fait des illusions. Toi sans doute exister de nombreux dresseurs encore plus forts que toi à travers le monde. Sous prétexte que j'ai accumulé quelques victoires et que j'ai été fier de mon équipe, je me suis senti invincible. Je me rends compte de ma bêtise à présent. J'espère que mes Pokémon ne m'en voudront pas
d'être si aveugle. Ne t'inquiète pas pour ça, tu devrais repartir sur une nouvelle base à présent. Il faudra montrer à tes Pokémon que tu es prêt à changer de ton état d'esprit. Eux aussi en changeront grandi. Merci pour cette leçon, je m'en excuse d'avoir été si abject. Je vais rester quelques temps sur cette route pour m'entraîner mon équipe et pour me remettre en question. Puis je partirai découvrir le reste du monde. C'est le meilleur moyen de m'améliorer. Tu as tout à fait raison. Bonne chance dans ton voyage. Merci. Je te souhaite aussi d'atteindre les buts que tu as fixés. A bientôt peut-être. Genre le mec m'a mis toute mon équipe KO quoi. Donc aussi moi c'est un sécateur puis j'ai utilisé pas mal de trucs. Alors bon, on va s'arrêter là pour l'instant tout le monde et puis moi je vais vous revenir. On va se retrouver ici de toute façon. Alors bon, moi je vous dis à la prochaine. C'était SpeedZilly sur Pokémon Origin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de partager, commenter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.